Qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginé, ou d'une menace. On se cache. Il y a l'affolement, l'alerte, l'appréhension, la terreur, la crainte, l'effroi, l'épouvante, la frayeur, la panique, l'inquiétude. Chez beaucoup de gens, l'absence de peur n'est qu'une absence d'imagination. J'ai pas pris mon courage, je subis, je prends sur moi. Et puis après, je me décontracte, je me relâche. Là, j'ai stressé d'un coup, j'étais pas préparé. C'est bon, c'est fini. C'était pas fini, j'étais pas du tout préparé. Et puis je vois une grosse flaque de sang. J'ai pas été vers les autres. J'appréhendais leur réaction. J'avais été choqué à cette époque-là. La peur, c'est ce qu'il y a de plus efficace en fait pour diriger les masses. J'ai pas pu me préparer mentalement. Qu'on se méfie ou qu'on se prépare à quelque chose. On va dire j'ai réglé cette histoire. La peur, c'est quand même un phénomène qui est sain. Ça peut nous avertir d'un danger. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est un signal d'alarme dans la tête, en fait, la peur. Une peur saine, une peur malsaine, la peur de tout. Avoir trop peur, en fait, ça paralyse, ça empêche d'agir. C'est le côté néfaste de la peur. S'il y a une chose qui me fait peur, c'est la bêtise humaine. Qui me perturbe beaucoup, la bêtise humaine. Ça me fait peur. J'ai peur aussi qu'il soit trop tard. Ça m'arrive d'avoir peur de péter un câble. D'avoir peur d'être encagé. Je pète un câble d'une manière violente. Je me fais enfermer. Je suis pas un peureux en fait. J'ai souvent plus peur pour les autres. Ma véritable crainte, ma peur ultime, dépendant de quelqu'un. Et que je sois transformé en légume. Ça c'est ma crainte ultime. Je pourrais pas vivre comme ça. J'encaisserais très très mal. Peur de mourir, ça c'est quelque chose que je n'ai pas. Ça me fait pas peur de mourir. Ça fait partie de la vie. J'aurais plus peur de souffrir. Ce serait ça ma plus grosse crainte. Devoir être dépendant de quelqu'un. C'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Je préférerais qu'on m'euthanasie quoi en fait. Ne faisant pas trop confiance justement à l'option du suicide. Dans l'incapacité de se tirer une balle, ça devient difficile à imaginer. C'est dans le cas extrême, avec certitude qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Il est l'ange de votre Dieu. Je m'étais à chialer, mais pas parce que j'avais mal, mais juste pour qu'elle s'occupe de moi, quoi. J'appartiens à celui qui vit pour toujours. Surprotégé pendant que tu t'es gosse. Laisse-moi t'emmener sur la lune, dans ma balançoire,
Je t'emmène visiter à la Brune, un monde illusoire où il y a des muses et des fous et des anges tout autour de nous. Le soir, dans ma balançoire, et sur notre vaisseau envolé vers nos souvenirs, retrouvant le berceau qu'on volait. Adultes vampires, on sera devenus des géants grâce à nos rêves d'enfants. Le soir, dans ma balançoire, et le cœur dans les étoiles, on fera le tour du monde tellement qu'il... Je règne sur ce monde, dit le Seigneur de la Terre, au pouvoir exalté, au-dessus et au-dessous, dans les mains duquel le soleil est une épée brillante et la lune un feu pénétrant qui a dessiné vos vêtements sur mesure, tout comme les paumes de mes mains. Il vous fait briller d'une lumière infernale. Je vous ai fait une loi pour gouverner les saints et vous ai armé pour une bonté suprême. Vous avez élevé la voix et lui avez juré allégeance. À lui, le triomphant, dont le début n'est pas, dont la fin ne peut être, et qui brille comme une flamme au milieu de vos palais, et qui règne sur vous comme l'équilibre de la vie. Approchez-vous et apparaissez. Ouvrez les mystères de votre création. Soyez mes mains, car je suis tel qu'en vous-même, le véritable droiteur de l'immense et l'infernal roi de l'enfer.